L'heure est à la quiétude. Le site est enchanteur. Pour ces jeunes cavaliers, il ne s'agit pas d'une banale promenade. Ils participent à un exercice d'hypothérapie. Mais ces enfants s'imaginent-ils que les origines du petit cheval qui les porte remontent à l'Antiquité ? L'île de Corfou se blottit au nord de la Grèce, entre les mers Ionienne et Adriatique. C'est la plus septentrionale de l'archipel. Avec ses 592 km², elle est la plus peuplée. Elle compte 92 000 habitants, dont 37 000 pour sa capitale, Corfou. Les qualificatifs les plus flatteurs lui ont été attribués, belle nymphe de la mer Ionienne ou émeraude des sept îles. La ville ancienne de Corfou s'est développée dans un espace contenu entre deux forteresses encerclées par des remparts. À quelques encablures de la ville, en surplomb de la mer Égée et adossée à la colline, se dissimule une immense propriété familiale. C'est dans cet écrin protecteur qu'une équipe dévouée et compétente, sous la conduite de Sylvia Steen, partage dans un même idéal un projet émérite et altruiste. Sylvia Steen et sa fille, Aliki, ont cofondé l'association Silva pour la sauvegarde du petit cheval de Skyros. L'association a débuté il y a 10 ans, ici à Corfou. Ma mère a toujours adoré les animaux. Elle a souhaité sauvegarder le petit cheval de Skyros, qu'on appelle aujourd'hui Hyparion hellénique, dans la mesure où il existait à ce moment-là peut-être qu'une quarantaine de chevaux pur sang. Ce qu'il faut vraiment préciser, c'est que derrière notre association, il y a une femme vraiment exceptionnelle. Parce que lancer ce type de projet alors que vous n'avez personne derrière vous qui vous suive, qui vous soutienne, ce n'est pas évident. Et ce n'est qu'en persévérant, en parlant à des centaines, voire des milliers d'interlocuteurs, que vous arrivez à vos fins. Parmi tous les interlocuteurs qui convergent au centre Silva, Sylvia Steen reçoit aujourd'hui le photographe Vassili Tsoumia, venu lui montrer ses derniers clichés du petit cheval de Skyros. 40 ans d'expérience professionnelle consacrée aux enfants handicapés et une profonde connaissance de la nature et des animaux ont permis à Sylvia Steen de mener à bien ses deux passions. L'étendue et le caractère luxuriant du site confèrent au domaine tous les attraits pour que les animaux y soient heureux. Le projet Silva consiste à protéger des plantes et des animaux qui sont en péril. Et maintenant, surtout, c'est pour protéger le petit cheval de Skyros. Il faut connaître ce petit cheval et son valeur pour les petits-enfants et les enfants handicapés pour faire l'équitation. Parce qu'il est très doux de caractère, en même temps il est fort, il est sportif. Et ça, les enfants n'ont pas peur de ce petit cheval. Cette Anglaise soigne, cajole, nettoie, nourrit ses protégés. C'est avec tendresse qu'elle prodigue ses soins aux chevaux, qui lui manifestent en retour leur reconnaissance. Mon rôle au centre Silva est de m'occuper des chevaux. Je suis responsable de leur bien-être et je m'assure que tout se déroule pour le mieux. Les chevaux m'accueillent dès mon arrivée au domaine. Je m'assure qu'ils vont bien et que les abreuvoirs sont pleins. La majorité des chevaux se nourrit essentiellement de foin. Ceux qui doivent recevoir de la nourriture plus consistante sont nourris un peu plus tard. Tous les jours, je fais en sorte de garder les écuries propres et bien rangées pour les visites. Au déjeuner, les chevaux reçoivent une deuxième ration de foin, puis ils se reposent s'il fait trop chaud. En fin de journée, après les cours d'équitation, une collègue me succède pour vérifier que tout est en place. Puis, nous rentrons tous chez nous pour tout recommencer le lendemain. Nous essayons de garder les chevaux en troupeau comme dans leur milieu naturel. En fait, ils vivent à l'extérieur tout au long de l'année. Ils peuvent s'abriter lorsque le temps est mauvais, mais ils ne le font que très rarement, le plus souvent pour se protéger des mouches. Le petit cheval de Skyros est un animal rustique qui peut vivre dehors. Je pense que c'est pour ça qu'il est en aussi bonne santé,
car il évite ainsi les maladies causées par le confinement en écurie. Dès que j'ai rencontré Sylvia, j'ai été impressionnée par son énergie qui est immédiatement contagieuse. Sylvia désire continuellement aider ceux qui l'entourent et sa passion pour les animaux est démesurée, surtout lorsqu'il s'agit du petit cheval. Ce qui est très important pour une association sans but lucratif, c'est de sensibiliser bien sûr le public, tant les enfants que les parents, mais aussi les décideurs, tant en Grèce qu'au niveau de l'Union européenne. Et nous espérons ainsi pouvoir développer l'élevage et le tout programme pour le petit cheval de Skyros encore plus. Par ailleurs, j'ai un rôle assez artistique, si je peux dire, dans la mesure où on a décidé d'organiser des expositions d'art équestre au bénéfice du petit cheval de Skyros. Et c'est moi qui organise ces expositions à travers l'Europe et aujourd'hui un petit peu plus en Grèce, comme les Grecs actuellement ont compris l'importance de ce petit hyparion ou cheval hellénique antique. Georges Pénas est artiste peintre. Une vraie rencontre s'est produite entre l'homme et le petit cheval. Les œuvres de Georges exaltent toutes les valeurs de l'animal. J'habite et travaille à Corfou. J'ai beaucoup d'admiration pour l'hyparion, ce petit cheval antique qui a permis de créer, au cours des siècles, des chefs-d'œuvre exceptionnels autour du thème équestre. J'ai connu Sylvia il y a quelques années et j'ai tout de suite souhaité apporter mon regard d'artiste sur ce petit cheval rare, mais présent dans notre pays. Lorsque je peins un hyparion, je ressens une grande joie et une immense satisfaction de me trouver auprès de cet animal, relique vivante d'un passé glorieux. Je pense que chaque artiste qui travaille sur le thème du cheval vit un moment magique, inoubliable. Comme j'ai la chance de côtoyer ces chevaux tout au long de l'année, les saisons m'inspirent à les peindre dans des couleurs très différentes. Au printemps, par exemple, je donne aux chevaux des couleurs très vives. Le printemps est en effet une saison magnifique à Corfou. L'été, les couleurs que j'utilise sont différentes, un peu plus lumineuses. En hiver, la palette utilisée offre des tons plus sombres. Ce qui m'intéresse le plus dans la peinture aujourd'hui, c'est de travailler en plein air, là où je peux capter un sujet vivant, comme le cheval par exemple, pour le traduire directement sur ma toile. Ce travail du vivant demande une certaine préparation préalable et simplement quelques retouches pour le final dans mon atelier. Je m'appelle Margot Gagliano. Je suis américaine et étudiante bénévole au Centre Sylva. J'ai rencontré Sylvia, la responsable du centre, durant mes études à Athènes. La première fois que je suis arrivée ici, je ne savais pas réellement ce qui m'attendait. Je savais juste qu'il y avait des petits chevaux et j'étais super contente de passer mes journées aux écuries avec eux. Je leur faisais faire de l'exercice pour améliorer leurs conditions physiques et entretenir la propreté des lieux. Je me suis dit qu'il serait intéressant que le centre puisse bénéficier de l'aide de bénévoles tout au long de l'année afin de permettre à l'équipe de mieux développer les différentes activités du centre. Actuellement, nous examinons toutes les candidatures qui viennent surtout des États-Unis, mais aussi d'Ouganda, de Hongrie, de Belgique, d'Australie. Maintenant, nous avons atteint le maximum d'étudiants possibles à accueillir. 4 jeunes en hiver et 8 jeunes en été. Nikos Kostaras est en visite au centre. Ce professeur d'université poursuit des travaux sur les origines, l'évolution
et les spécificités propres à l'Hyparion. Dans ce cadre, il a demandé à l'association l'autorisation d'effectuer différentes expériences scientifiques ainsi que des prélèvements ADN. Sylvia et Aliki, toujours curieuses d'en savoir plus à propos de ce mystérieux petit cheval, l'accueillent avec enthousiasme. Nobody knows the exact origin of the little horse. Personne ne peut prétendre connaître à coup sûr les origines lointaines de l'Hyparion. On pense que ce petit cheval a vécu dans la région. Et quand je dis la région, je veux dire l'ensemble de la Méditerranée. Il y a vécu il y a plus de 4000 ans. On a retrouvé des ossements dans plusieurs îles de la mer Égée et également en Grèce continentale. Des squelettes entiers de ce type de chevaux ont également été retrouvés le long de la côte turque, en Afrique du Nord et près de la mer Caspienne. À l'heure actuelle, on ne connaît pas précisément le cheminement géographique de l'Hyparion. On sait bien que c'est une des races équines de notre pays, mais il a vraisemblablement immigré en Grèce depuis le nord de l'Europe. La race Hyparion n'a pas de lien direct avec les autres races de chevaux. Les rapports de parenté les plus proches que l'on peut envisager aujourd'hui, selon des tests ADN, le liraient aux chevaux orientaux, ce qui est un peu vague. Mais il y aurait également des liens de parenté avec des chevaux ibériques, originaires de l'Espagne et du Portugal. Le petit cheval de Skyros était autrefois un cheval très populaire et utilisé de tout temps par l'homme dans toutes sortes d'activités. L'animal était l'outil agricole du modeste fermier. Il était la bête de somme du voyageur ou du marchand. Et puis c'était un cheval que l'on pouvait monter. Le phénotype du cheval de Skyros se caractérise tout d'abord par sa taille réduite. Il mesure de 1 mètre à 1 mètre 15 au garrot. Ensuite, il est particulièrement robuste. Concrètement, cela signifie qu'il peut survivre en s'alimentant très peu. De plus, il peut effectuer beaucoup de travail. C'est un cheval intelligent, ayant parfaitement su s'adapter aux caractéristiques géographiques de la Grèce, qui est un pays montagneux, sec en été et relativement froid l'hiver. De nos jours, grâce aux progrès technologiques, des outils modernes nous permettent de mieux comprendre comment s'est déroulée l'évolution des races équines au cours des millénaires. Par ailleurs, nous connaissons plus précisément comment les gènes de ces chevaux fonctionnent. J'espère même qu'un jour, on pourra les identifier et que l'on parviendra à positionner exactement le petit cheval de Skyros dans l'histoire de l'évolution des races équines. Aujourd'hui, les analyses ADN nous permettent de distinguer les caractéristiques du phénotype et du génotype d'une race. On est capable de différencier les caractéristiques lointaines de l'Hyparion de celles acquises plus récemment. C'est de cette façon que nous pouvons tenter de comprendre l'évolution d'un cheval, retrouver ses gènes d'origine afin de déterminer à quel moment son sang a été croisé à celui d'une autre race pour lui donner son apparence aujourd'hui. Aliki s'est rendue à Skyros, ville-temple de l'Hyparion. Là, elle a rencontré d'anciens paysans. Ces paysans éleveurs étaient surnommés les Vrakades, en référence à la culotte bouffante, la vraka, qu'ils portaient lors des fêtes traditionnelles. Ensemble, ils découvrent les photos de Yanis Vernadis qui retracent leur jeunesse. Au cours des deux derniers siècles, les nombreux Hyparions passaient paisiblement l'hiver dans les zones montagneuses.
Ils trouvaient là suffisamment d'eau et de nourriture. L'été, ils migraient vers les parties fertiles de l'île et s'abreuvaient aux sources proches des villages. Les paysans en profitaient pour les capturer. En échange, les chevaux aidaient aux travaux de moisson. Ils martelaient le grain par petits groupes. Traditionnellement, à la fin des récoltes, les enfants organisaient avec les petits chevaux des courses endiablées et festives. Dans les années 60, les moissonneuses-batteuses ont fait leur apparition. Les paysans se sont alors désintéressés des chevaux, amorçant une extinction de la famille des hipparions. Mais désormais, grâce à une fonction retrouvée auprès de l'homme, la race reprend son galop. Le problème consiste maintenant à développer de nouvelles occupations, un nouveau job au petit cheval lui assurant sa survie. Je dirais que la chance du cheval de Skyros est sa petite taille. C'est un cheval facile à entretenir, possédant des caractéristiques diverses, lui permettant de devenir un animal de compagnie. En plus, c'est un cheval qui peut être monté facilement par des enfants et des cavaliers légers. Il apporte déjà sa contribution dans le domaine de l'équitation thérapeutique. Il pourrait également faire progresser l'écotourisme. Il a de fait des capacités multiples pour continuer à servir l'homme et assurer ainsi sa propre survie.